Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 4, chers amis. Donc nous sommes à Sanctuary avec Ada, qui a besoin de nous parler apparemment. Voilà Ada, c'est la dernière balise radar. J'aimerais récupérer la tête quand tu auras terminé. Bien entendu, ça ne prendra qu'un instant. La tête de Jezebel. Voilà pour vous, toujours en un seul morceau. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez récupérer la tête. Nous avons seulement besoin de la balise radar. D'autant que les cérébrobots sont connus pour être, un peu pénibles. Oh! Peut-on remonter les cérébrobots? Est-ce que tu sais d'autres sur eux, Ada? Il s'agit de la première expérience réussie par General Atomics pour créer une créature hybride moitié organique, moitié robotique. D'accord. Le cerveau est utilisé à la fois comme unité de contrôle et de stockage mémoire, ce qui est bien plus efficace que l'utilisation de circuits standards. Malheureusement, de nombreux problèmes de programmation rendaient ces robots quelque peu lunatiques, si je puis dire. Avec d'accord. Ce cérébrobot aura toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Tant mieux. Donc c'est une sorte de synthétique alors. Un mélange de matière organique et robotique. Ça ressemble méchamment à un synthétique. Pas du tout. Le cérébrobot a été conçu avec une toute autre idée en tête. General Atomics souhaitait utiliser le cerveau humain pour améliorer les fonctions robotiques. Principalement pour accélérer le processus de prise de décision. Donc c'est des assassins. Le libre arbitre et l'individualité n'ont jamais été voulus. Ils ont été conçus comme des soldats, pour suivre des ordres sans les questionner. Les propensions à la violence et à l'agressivité du cérébrobot sont plus de malheureux défauts qu'une décision mûrement réfléchie. D'accord. Peut-on remonter la piste du mécaniste? La balise radar suffira à remonter la piste du mécaniste? Je l'espère. J'ai déjà lancé mes calculs pendant notre conversation. Ça n'explique pas pourquoi vous avez besoin de la tête. Ah! On en a besoin, c'est tout. Nous en avons toujours besoin, Ada. Je pense qu'elle peut nous aider à pénétrer dans le complexe du mécaniste. Bien sûr. Il semble logique que le mécaniste ne se contente pas uniquement de garder l'emplacement de son repère secret, mais qu'il en protège également l'accès contre toute intrusion. Je vous présente toutes mes excuses. Je n'avais pas inclus cette possibilité dans mes calculs. J'ai peur d'avoir quelques difficultés à assister les humains ces derniers temps. Oh, elle est pas bien. Elle est pas bien. Ça ne vous semble pas évident ? Depuis que j'ai laissé mes amis se faire décimer dans cette caravane, j'ai l'impression de manquer à tous mes devoirs. C'est moi qui avais dressé notre itinéraire le jour où nous avons été attaqués. Si j'avais choisi une autre route, il serait sûrement encore là. Oui, mais si on faisait le monde, on referait le monde à Fessy. J'ai définitivement mon module de personnalité au moment de me programmer. Je n'aurais pas eu à me sentir si triste. Oh, c'est mignon. Tu as une conscience? C'est ta personnalité qui te définit en tant qu'individu. C'est une bénédiction. Vous avez raison. Ah, ça a pas plu à l'autre synthétique. Serait perdu si mon module de personnalité était désactivé. Je ne veux pas les perdre. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça. Merci. De rien. Je vous ai fait perdre assez de temps. Non, c'est sympa. Je vais finaliser mes calculs pendant que vous vous occupez de notre... Mais où allez-vous? Ai-je dit quelque chose de mal? Oh merde! Elle l'a mal pris. Excuse-moi, je suis pressé dans la vie en fait. J'ai un but dans la vie. Je veux faire des envieux. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il faut faire là? Assembler un corps pour Jezebel. Ah, nouvel automatron. Hop. Tête de protectron. Tête de Jezebel. Protection pour tête. Faut qu'on continue à voir son cerveau. Je pense qu'on va prendre ça. Hop. Plastron. Plastron de protectron. Plastron de laserotron. On va partir sur un laserotron. Armure avant. Inexistant. Usine. Stockage d'usine. Châssis actif avant. Châssis avant voltaïque. Châssis avant hydraulique. Ouh, il y en a de la chose.
Alors oui, bien sûr, tout ça, chers amis, c'est des choses que je me give pour les, comment, les constructions d'armure et tout ça que je fais entre deux. Ce sont des choses que je n'ai pas eu de manière légale, entre guillemets, pour la plupart. Mais en fait, l'avantage, c'est que la plupart des ressources utiles, donc l'adhésif, le caoutchouc ou le céramique, sont des ressources qui sont utilisées extrêmement vite. Donc vous inquiétez pas, hein. Par exemple, là, je n'ai plus de céramique. Donc ce qui fait que je ne peux plus rien faire du tout. Et la céramique est une véritable saloperie. Bon. Détecteur, améliore la perception des alliés à proximité, capteur de reconnaissance, suit les cibles, peut bien infliger des dégâts radioactifs ennemis à proximité, suit des alliés à proximité, champ de furtivité, ça peut être complètement stylé, champ de résistance, améliore la résistance aux dégâts des alliés à proximité, champ de régénération, waouh, ça va nous en falloir, expert en robotique, il va nous le falloir aussi, est-ce que je peux juste mettre... Résistance aux dégâts, c'est exactement la même. Bah écoute, c'est parfait. Hop. Protection pour réacteur. Ah, la truc d'usine est beaucoup plus résistante. C'est bon à savoir. Pour l'instant, nous on va en profiter pour mettre la plus grosse, hein. La belliqueuse à pointe. C'est pas grave. Bras gauche. Je lui mettrais bien quand même des bras de cérébrobot. Mais je n'ai pas la céramique suffisante pour. Brassard droit inexistant. D'accord, c'est pour augmenter les délais. Réduire la charge maximale, d'accord. Ok. Griffe de protectron. Qu'est-ce qu'on a tout au bout? Ah oui, d'accord. Un flambeur de main droite. Waouh. Ça peut être complètement stylé. Lame furtive de main droite. Cloueur, griffe électrique. Scie circulaire. Foreuse. Donc je n'ai clairement pas le droit de mettre des lasers, tout ça, pour l'heure actuelle, apparemment, parce que je n'ai pas ce qu'il faut, il faut des cristaux. D'accord. Fumigène. D'accord. Cryogène de main droite, ça faudra peut-être le faire. Portée réduite, oui, c'est dommage. Ça peut être sympa aussi, cloua de main droite. Est-ce que c'est le plus... Ouais, bah écoutez, on va partir là-dessus. Hop. Améliore les dégâts, la résistance aux dégâts. Bon, ça on pourra pas le faire malheureusement. Et ici on va mettre chers amis, on va se faire plaisir, un flambeur. Hop, et on va la peindre en noir comme nous. Ok, Jezabeth est devenue stylée. Elle est cool. Qu'attendais-tu? À quel genre de corps tu t'attendais? Étant donné que je ressemble à un robot de pacotille assemblé à la hâte par un amateur, je dirais que n'importe quoi d'autre aurait fait l'affaire. Ah, je suppose qu'il ne fallait pas en attendre davantage au vu de vos compétences limitées et de votre intelligence qui ne l'est pas moins. La saloperie. Sarcastique. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais le tailleur royal a contracté la tuberculose et c'est à moi qu'est revenue sa tâche. Si vous tentez d'employer une personne pour m'intimider, j'ai peur que vous perdiez votre temps. Oh. Il semble évident que ma compagnie ne vous est pas plus agréable que la vôtre ne l'est pour moi. Bah pourtant si. Alors demandez-moi tout ce que vous voulez savoir et je pourrai prendre congé de vous avec un plaisir non dissimulé. Pourquoi Général Atomique t'a-t-il rendu si peu
coopérative. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire. Je suis un modèle haut de gamme, à l'efficacité telle que comparé à moi, ce Mr. Andy est aussi insignifiant qu'un grippin. Lorsqu'on me donne des instructions, je les suis sans les questionner et sans faire d'erreur. D'accord. Quelles autres questions ridicules avez-vous à me poser ? Le mécaniste. Dis-moi tout ce que tu sais sur le mécaniste. Ah, en voilà un sujet fascinant. Le mécaniste, très doué en programmation, véritable génie en électronique. Ça ne m'étonne pas qu'il vous intéresse. D'accord. Ça fait bien longtemps que je diffuse avec enthousiasme les instructions du mécaniste pour aider les gens du Commonwealth. Donc, techniquement, tu l'aides. Aider les gens du Commonwealth. Ah non, il est doué, d'accord. C'est mon objectif principal. Le mécaniste m'a demandé de chercher et d'aider les habitants du Commonwealth. D'après mes calculs, le meilleur moyen d'aider un humain est simplement de l'éliminer. Il n'y a aucun intérêt à prolonger une vie aussi fragile et stupide. C'est la meilleure façon de les aider. Toute autre tentative d'aide engendrerait de nombreux effets secondaires complexes. D'accord, ce sont les ordres du mécaniste ? C'est le mécaniste qui t'a ordonné de tuer des gens ? Eh bien, pas exactement. Les instructions étaient d'aider les gens. Je n'ai fait qu'interpréter la manière la plus efficace d'accomplir mon devoir. D'accord, aider bon. Aider un humain du mieux que je peux ne permet qu'un taux de survie de 25%. Cela signifie qu'il reste 75% de chance pour que, malgré mes efforts, l'humain que j'aide meure pour des motifs qui échappent à mon contrôle. Par conséquent, il est préférable d'accélérer la mort des humains et de leur éviter une chance très probable de mourir de toute manière, plutôt que de perdre un temps qui m'est précieux. C'est chaud. C'est simple, en fait. Mais étant donné votre intellect limité, je suppose qu'il n'est pas étonnant que vous ne compreniez pas. Où est le mécaniste ? Et avec tes chamailleries, et me dire tout simplement comment pénétrer dans le complexe du mécaniste. J'ai promis de répondre à vos questions. Et contrairement aux humains, je n'ai pas la capacité de mentir. C'est très simple, vraiment. Pour pénétrer dans le repère du mécaniste, vous devrez équiper l'un de vos robots d'une modification MSAT. D'accord. Transmet les schémas sur votre Pip-Boy. Voilà. J'ai rempli ma part du marché. Je vais peut-être rester ici quelque temps pour voir l'issue de votre combat contre le mécaniste. Simplement pour me distraire, bien entendu. Je pense que vous aurez des histoires rocambolesques à raconter à votre retour. Si seulement vous revenez en vie. Elle me plaît, hein, mais elle me fait chier des fois. Et je sens que je vais adorer ça. Je sens que je vais adorer ça. Ada. Oui, vous avez parlé à Jézébel. J'espère qu'elle n'a pas fait trop de difficultés. Ça va. Les cérébrobots ont mal interprété les ordres ? Y a-t-il une chance que ces robots aient mal interprété les ordres ? Oui, j'avais envisagé cette éventualité. La nature contradictoire des messages du mécaniste est troublante. Mais en vérité, les intentions du mécaniste importent peu. Il faut mettre un terme à ces agissements. Ces robots sont une menace. Elle a raison. Avez-vous appris comment accéder au mécaniste ? Une modification MSAT est requise. Il faut que j'équipe un robot d'une modification MSAT. Jézébel m'en a donné les schémas. Une modification faisant office de clé pour accéder au complexe du mécaniste. C'est brillant. Ouais, c'est pas mal. Il est fort probable que la modification MSAT permette d'accéder à de nombreux endroits, à l'image d'une carte d'identité pour robot. De mon côté, j'ai réussi à décrire le signal de la dernière balise radar. Ça, c'est de la bonne nouvelle. De service après-vente Robco. Sans doute une couverture pour une opération de plus grande envergure. Il est temps de passer à l'offensive. Avez-vous élaboré un plan ? On va rendre une visite. Temps de rendre une visite au mécaniste. J'espère que vous pourrez le faire. Je suis curieuse de connaître les motivations du mécaniste, moi aussi. Je suis pas là pour le tuer. Si vous le voulez bien, vous avez un MSAT. Au contraire, si je peux le recruter pour le... Si je peux le recruter pour... Pour comment... Pour mince, je vais pas y arriver. Si je peux le recruter pour le comment le pour mince, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver pour le comment le. Oui, enfin ton corps me fait pitié parfois, franchement. Attends. Attends, parce que là il y a un truc que je peux pas supporter de te voir avec ça. Ça me fait mal. Voilà, redeviens un petit peu
femme, on va dire. Je suis femme. De toute façon, d'ici quelques jours, il y aura un mode pour avoir C3PO et R2D2 en robot. Faut le dire, hein. Et je me baladerai forcément avec. Mais ça fait plaisir de devoir marcher comme ça, en fait. Même si tu tortilles du cul, j'ai l'impression. Bref, D'accord. Je sais plus ce que je disais avant, mais bon, c'est pas grave. On va regarder où est-ce qu'il faut aller exactement. Oui, il faut qu'on puisse le recruter pour pour l'institut, hein, clairement. Je suis pas là pour le buter, hein. Si je peux le recruter, y a pas de problème, hein. L'antre du mécaniste, d'accord, qui se trouve ici. Ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter. On va se téléporter ici et on va suivre la route jusqu'à retrouver tout simplement le reste, enfin le reste des robots et surtout le lieu de la potentielle base du commandant du mécaniste. Même si je dois avouer que je ne fais pas confiance 100% à Jezabel. Oh, les chenilles sont magnifiques. Ouais, le système des célèbres robots est vraiment joli. C'est toi qui fais du bruit comme ça? Bon, d'accord. Alors là-bas, de mémoire, il va y avoir des gens. Si on peut les éviter, c'est tant mieux. Et voici la route que je cherchais. Ah oui, exact. Les fameux objets. Ah oui, attendez, je veux essayer le... Oula, il y en a un qui cause. Wow. Hop, ça a l'air d'être lent comme arme. Ah mais c'est une arme de charge. C'est une arme de charge, chers amis. Hop. Courte portée. Oh la gueule. Il y a des... Putain, je voyais pas sa loupiote. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Je récupère les holoplaques. C'est rien. Un vase, c'est de la céramique. Bon, c'est pas grave. Hop, on va récupérer tout ce qu'il y a dans les robots. De nouveaux modules sont disponibles. Oh putain, il va y avoir des super mutants en plus. Dégage. On trouve un maximum de cadavres de robots, qu'on puisse récupérer un maximum de pièces. De manière... une nécessité. Une base. Il y a une base. Il y a une base. Faites qu'il ne me voit pas. On voit que Pouic, hein, dans la nuit, hein. Oh là là. Oula, l'éclair. Que je me prenne pas un sale coup. C'est joli quand même, hein. Vous croyez que c'est ça? C'est la petite cabane qui est là? Non, apparemment c'est pas là, c'est un peu plus sur la gauche. Il y a des bestioles.
pense qu'il y a clairement des bestioles. On est détecté. Par qui, par quoi? Qu'est-ce que... Oh! J'entends quelque chose. Hop! C'était vraiment trop facile. Voilà! Wouhou! C'est la fête! Par contre, on n'était pas les seuls à tirer, je crois. Dégage. Dégage. Hop. C'est violent comme endroit, hein. Honnêtement. Honnêtement, j'aimerais trouver un lit ou une chaise. M'asseoir et Ah dommage, y'a pas de pièce sur le robot sentinelle. J'ai envie d'aller voir là-bas. En plus, j'ai la capacité de s'améliorer. Et le jetpack. Ok. Porte déverrouillable. Parfait. J'avais peur que ce soit une zone, en fait, dans laquelle... C'est un zombie. Y'a pas d'autre, on est d'accord. En fait, y'a pas ce que je cherchais. Il était enchaîné là? A mon avis, sur le principe, c'était ça. Ah non, c'était lui qui était enchaîné là, à mon avis. Ça, c'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Par contre, ouais, c'est pas ce que... D'accord, les flammes ont été... éteintes. Ce sont des commandes... de simples... Attendez, il y a un bâtiment là-bas. Il y a potentiellement un lit. Hop. Ne vous inquiétez pas, j'ai un mod. Hein. C'est pas un mod. C'est un mod, mais pas le mod donc, comme vous l'entendez. C'est un mod de d'armement. Enfin d'armure. Qui réduit beaucoup la dégâts de chute, hein, 80%. Ce qui fait que oui, vous n'allez pas forcément voir prendre beaucoup de dégâts. Me voir prendre beaucoup de dégâts de chute. Ce qui en soit est une plutôt bonne chose, hein. Par contre, j'espérais qu'il y avait un lit là-dedans. Ou une chaise, une simple chaise. Est-ce que c'est possible de s'asseoir là-dessus? Non. Que nous puissions tout simplement attendre un petit peu. Il semblerait que ce soit pas prévu dans le coin. Ah oui, je me rappelle, là, il y avait un synthétique qui se faisait attaquer. On est venu ici pour... pour une mission. Ah mince, je me trompe de bouton. C'est laquelle? Voilà, c'était cette arme là. Hop. Que le miracle bon marché. C'est pas grave qu'elle soit bon marché. Livre en retard, je ne les prends plus. Et puis ça me fait penser que j'ai... Ah mince, elle est encore pleine de... des choses précédentes, Ada. J'ai pas pensé à récupérer ce qu'elle avait sur elle. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con. Et par contre là non plus il n'y a pas de quoi m'asseoir. Vous savez plus ce que c'est qu'une chaise dans ce monde? Allez. Bon. Enfin, je crois que c'était là. Il me semble que c'était là. Garage, clé nécessaire. C'est ici. C'est ici peut-être. Non? Garage, clé nécessaire. Il faut une clé. Intéressant ça. Ce bâtiment est clairement intéressant. J'ai cru voir du mouvement à droite. Je me trompe apparemment.
Ah, c'est dommage. Y'a pas moyen de rentrer? Ah! Ça m'intrigue tout ça. C'est une zone de quête. Bon, là y'a un diner, on va aller voir dedans. Je trouve que c'est un bonhomme ici. Est-ce qu'il est piégé? Apparemment pas. On peut s'asseoir et on va attendre un petit peu. Comme ça la pluie va se calmer. Hop, c'est parfait. On va attendre 6 heures, hein, je pense. Ça devrait être suffisant. La pluie va se calmer et le jour va se lever aussi. Ça va être génial. Alors. Est-ce qu'on est bon? On est plutôt bon. Parfait. Cette armure est stylée quand même, malgré tout, je trouve. Hein. On n'a pas regardé s'il y avait de la céramique à l'intérieur. Bon, là, il y a de la canette. Peinture jaune, d'accord. Céramique, tasse à café, parfait. Hop, tasse à café. Parfait, tasse de café aussi, parfait, tasse à café. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ils sont intouchables de toute façon. Hop, donc il y avait des tasses de café, tasses à café. Mais elles sont passées dessous. Excuse-moi. Alors, cendrier. Hop. 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 Parfait. Bon, on a fait une bonne récolte de... Hop. De céramique, je pense. Dans ce bâtiment. C'est plutôt une bonne chose. Essayons de retrouver le... Alors, j'aime pas cet endroit, je m'en rappelle plus. Est-ce qu'on est allé dedans seulement? Sûrement. Sûrement, sûrement. De toute façon, on y retournera. Hein. Alors, on s'en approche. On s'en approche et je m'attendais à voir une armée de robots autour, mais au final... Au final, ça va. Hein. Au final, on est même très très bien. Aéroport de Boston, effectivement, avec le Pride Wayne. C'est rigolo que le mécaniste soit au nez à la barbe de... Je m'excuse pour les bruits étranges que j'émets actuellement. Ma nature mécanique, tout ça. Mais ça va, hein, t'inquiète pas. Hein. T'es une fille bien. Hein. Veuillez prendre vos composants, monsieur. Oh, c'est gentil. Attention. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Autodestruction, désactive. Rien, laisse tomber. Alors. C'est ici. Une petite sauvegarde auto. On y est, chers amis. On y est. Alors. Hop, centre de service d'après-vente Tropco. Et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Effectivement, ça fait quelques temps qu'il a commencé déjà. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez trouver le lien dans la barre de la chaîne. Cliquez aussi dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement fait le jeu. Et je les en remercie, tout comme je vous remercie pour... votre soutien, chers amis, on est bientôt aux 5K abonnés, merci à vous, merci infiniment. Dans le prochain épisode, nous allons visiter cette zone, essayer de recruter aussi un petit peu pour l'institut, en espérant pouvoir recruter le mécaniste, ça pourrait être sympa, j'aimerais pas avoir un combat à mort avec lui, par contre avec ses robots, y a pas de soucis. Hein. C'est le principe, c'est des robots, on peut les buter. Même Ada, hein, regardez. Elle me dit rien, hein. Elle aime ça, hein. Elle est faite pour ça. Regardez. Hop. What? Je lui ai enlevé son armure. Regardez. Si je fais chargement. Armure. Oui, elle a son armure. Merde. Elle a plus d'armure. Je la déshabille. C'est quoi ce bordel? Bon. Eh bien écoutez les amis, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Menus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, c'est déshabiller des robots, voilà autre chose maintenant.